Can feel it. Henri pour 31. Dis-moi, Mathis, j'ai eu une info tout à l'heure là. Le véhicule sont dans le nord, ouais. Potentiellement dans le nord. Il y a une organisation mexicaine. Quoi? Une nouvelle organisation là qui tuerait, qui fait du mal en ville là. Ça dit c'est qui? Un cartel, mec. Attends. Ils éviteraient pas sur Cayo Perico par hasard? Si, si, apparemment ils mettent des morts à ceux qui. Ah, les gens, je te jure, c'est des connards. Comme s'ils avaient buté Djibril Salah. Non, mais oh. Oh non, on est où là? Putain, mais. Les gens, c'est des fous. Hein. Ouais. Je suis parti en service ce matin. Ouais. De 7h du matin à 15h30. Ouais. Au frère. De 15h30 à 20h, j'ai tapé un somme. Je le dis pas. Hein. Ah ouais, attends, je ramène le véhicule en poste, ok? Vas-y. Ils l'auront pas. Tu sais, pour la dame 46. 2, 30 ans. 5 pour 4 dames de barrage. Oh, j'ai une idée. Est-ce qu'il y a une dame là qui peut récupérer 34, s'il vous plaît, je vous la mets. Mais wesh. Attendez, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée, les amis. Oh, j'ai une idée. Bonsoir. Bonsoir, ici Captain 42 au Bigo. Oui. Dites-moi, vous êtes habilité à faire une couleur sur un véhicule? Si, oui, je suis habilité à faire une couleur sur le véhicule. Vous êtes dispo il y a en deux secondes ou pas? Oui, je suis disponible. Il y a des gens au garage là actuellement, mais oui, je suis disponible. Ah bah ok, j'y vais alors. Bah j'arrive. Ok, merci. Ça marche, à tout de suite. Oui, merci. 28, retrouvez-moi au Harmony Garage s'il vous plaît. Après. Ça leur apprendra à laisser leur véhicule en plan. Allez 28. Salut. C'est quoi ça PDP vignoble? Ah merde, on va attendre. C'est quoi PDP? Ah Repus, ça va ou quoi? Et vous capitaine? Oui, ça va très bien, ça se passe bien. Oui, tranquille. Genre près du galaxie toi? Regarde le mec, en face on dirait Newman, l'agent du BCSO. Ouais, je sais, c'est 13. Royal 13. Voilà, crinière. Des réparations de côté de Poyos ou pas? Non, moi c'est pour une petite. Non, c'est pour une petite couleur avant dessus, s'il vous plaît. Alors, à Mandra, allez faire des coups. Pour l'interview si vous voulez ce soir. Alors, donc, si il me. L'interview encore? Bah, vous demandez votre soir une bonne réponse, hein. Oh, pardon, monsieur, ça va aller? C'est rien, c'est la rue. C'est. Hola, seigneur, comment allez-vous? Vraiment désolé, c'est le. Non, c'est pas grave. C'est le gars de la LSPD qui vous a écrasé. Ouais, c'est moi, désolé. Ça vous. Désolé, je vous donnais un petit. Là, c'est de là. Quoi? Regardez, hop, comme, ça, comme ah, couleur. Merci, merci, voilà, ça vous va. Allez, pas de problème, je fais mon travail. Rose bonbon, vous avez ça en stock? Pour vous, seigneur, et tout pour vous. Magnifique. Quand il était en ville, t'étais même pas là. Regardez, attendez, je vous laisse le mettre en rose, les jantes ainsi que la voiture, je vais chercher un petit pourboire pour vous. Ouais, pas compris, ça fait trop longtemps que je fais. On est bon, parfait, vous êtes le boss. Est-ce que vous organisez des mariages? C'est une vraie question. Une cérémonie de Noël? Voilà, et on est bon. Ouais, parce qu'après, j'ai pas été trop bonqué non plus. Parfait! Que craro. Ben je vous dois. 3333 de magnifique, ça me va. Hey, 42, faut que je te raconte un truc. Ouais, dis-moi. Un grand dans la chop, je vais te raconter un truc. Là. Ok, je rentre dans la coachie. Bonsoir, messieurs, bonne soirée à vous. Bonsoir à vous. Bonne soirée. Alors, vers 20h30, je crois, j'étais en service. Ouais. Et t'as un mec du BCSO qui arrive, c'était 13. Tu vois le mec qui parle tout le temps comme ça? Oui, qui fait de Ronald. Ouais. J'ai pas le numéro de fréquence. Il a dit, je peux savoir c'est qui patrouille sur notre secteur? Il est fou, lui. J'ai entendu ça, j'ai fait. Mais... Et puis t'as Danny qui a répondu à ma place, mais si j'avais répondu à sa place, je pense que. Je pense qu'il serait. 38-97-09. Qui ça? Bah, 13. Il dit BCSO. Il est venu, il nous a dit. Ouais, je peux savoir ce qui patrouille sur notre secteur, etc. En mode. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Puis juste après, j'ai raconté ça à Moratti. Moratti, tu sais comment il l'a arraché? Non. Oh, il y a le dictateur et puis il y a le dictateur. Ah ouais? Ouais, non, mais Moratti. Ah, c'est la ranger au garage? 4 dames 46, 45, 70. Viens, on va le voir. Une sportive grise occupée 3 fois. 14. Tu on va leur rendre visite? Vas-y. Ah. Allô? Bonsoir, monsieur Bon, c'est vous? Bonsoir, ah, monsieur 42 Wedge, pourquoi ce serait pas moi? Avez-vous une gesture erreur, monsieur Bon? Ouais, bien sûr. Ok, ok. J'en ai custom une, là, vite fait. Vous me direz des nouvelles, d'accord? Vous m'avez saboté ma bagnole. Pas du tout. Bah, je sais pas si c'était la vôtre parce qu'il y en avait c'est quoi, une Arcadus.
Alors, elle était prête, elle était collée à l'autoroute, du coup je me suis dit bon, pour le coup. Parce que là, je vous explication là, en ce vous moment. Vous avez fait voler votre véhicule ? Non, non, j'ai. Ah. Bah, j'en sais rien parce que je vous explication. J'ai des pro-kipo là. En ce moment, mes voitures, elles font comme Naruto. Ah ouais ? Multiclonage. Jure ? Ouais, non, ok, ah ok, je vois. Et des fois, ouais, des fois, je mets ma bagnole à un endroit. Ouais, et il y en a une deuxième qui. Je sais pas quoi en faire. Okay. Du coup, je la laisse traîner et. Bah, peut-être qu'on me la pétape. Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé une gesteur. Je m'en suis occupé. Si c'est la mienne et qu'on me l'a volée, je vais avoir envie de chialer. Bah, dites-toi bien que je m'en suis occupé et je l'ai mis en fourrière, ok ? Comme ça, tu pourras la récupérer si c'est la tienne en très bon état et de très bonne couleur. Elle est rouge, c'est 100% sûr. Ouais, ça. Non, c'est pas mon genre. Ah, si on la connaît, c'est la classique, on la connaît. Ok. Il y a deux ans, j'étais patron mécano. Tous mes employés, je laissais une caisse traîner, je revenais, t'es rose. Ah, c'est la classique. Ok, bah baiser. Ok. Culé, man. Bisous, Fitz. T'as espéré que c'est pas la mienne, putain. Non, mais non, tu l'as non, fait t'es quand, pas là comme ça. Là, je viens de la faire. Avec un mec, avec un paquet de chips sur la tête. Non, je l'ai fait dans le Nord parce que je voulais pas te voir. Dans le Nord, mais quelle pute. Mais t'es vraiment une merde, 42. Ça me dégoûte. Moi aussi, je t'aime, Fitz. Allez, bisous. Bisous. Viens, on va aller une corne. Y'a pas de patron aussi. Je vais voir si c'est ouvert, je vais aller voir des tapins, moi. D'ailleurs, j'en ai marre. Je rappelle que je suis ton capitaine et que nous devons faire preuve de diplomatie. Oui, mais ça fait une semaine que j'ai pas baisé. Il est vrai. Viens, on va avec la supérette. Elle est pas là. Je vais m'arrêter, what the fuck. Elle est pas là, 93. Non, ça y est. Je vais recommencer à boire. Oh putain. Oh non, passe à 28. Oh putain. Dans la vie, il y a un dictateur et un bourré, c'est incroyable. Je te jure, la schizophrénie. Oh, je les aime pas. Bah. Tous les noobs. Bon, il y a la vente de drogue, on prend en raid désert, ok. Madame 36, code 4 sur la 1070, code 7. Viens, on se met en mode Bob le bricoleur. Arrête le véhicule. J'ai t'inquiète. Pas de vêtements. T'inquiète. Ah, ok, là, on laisse ici la bagnole. Vas-y. Ils vont continuer à vendre tant qu'on n'est pas là. Okay. Ce que je fais, c'est que, vas-y, tu me fouilles, tu prends ma tenue sur moi. Elle s'appelle Bob. Ça fait chier pour le nom. Hein. Voilà. 3 Adam 6, le 1045 El Rancho se transforme en 1070. D'une buffalo. C'est quoi Bob? Oh, pose pas de questions, s'il te plaît. Je trouve pas Bob, attends. Elle est tout en bas. Carré. Vas-y, maintenant tu la mets. Voilà, carré, on y va. Bien, on va par là. 3 Adam 36, 4 sur le dernier de 70, code 7. 10-4. 8 Adam 42, on est en code 6 sur tout ce qui est fête forêt, donc n'y allez pas s'il vous plaît, on est en civil. 10-4. Bien pris. Merde, faut que je reprenne le nom. C'est comme ça qu'on va choper des criminels, mec. Tu penses ? Non, je pense pas, mais okay. Au moins on peut le tester. Lui il court, c'est sûr il vend de la drogue. Où ça? Oh, regarde, ça y est, on a un flag, let's go! Où ça, j'ai pas vu. On passe sur le pont. Ah oui, j'ai pas vu! Ok, discret, on l'a vu, on sait c'est qui. Ouais. Oh, il nous a vu lui, je crois. Oh, imagine, il vient vers nous. Oh, pardon. Bonsoir. Monsieur? Oh, et Kitsune, j'en ai deux, ils sont trop bizarres. je sais pas, est-ce qu'on porte. Derrière, ils sont sous crack. Ah ouais, hein. Ouais. Je suis juste en dessous du pont là, viens voir. Vous allez bien, les gars? Regardez, je fais le petit bug, un peu mon collègue. Tu m'as fait peur. Vous allez bien ou quoi? Mais oui, mais je voulais voir. Et pourquoi tu tapes mon collègue? Oh, regarde, il est en train de faire une crise. Oh. Ah, une crise d'épilepsie. Oh, pardon, mais je voulais vous aider. On est en train de faire des travaux. tu nous casses les couilles. Oh. Mais pourquoi tu me réponds pas tout à l'heure, monsieur? Y'a pas une vulgaire comme ça, y'a pas. Parce que j'avais ma radio, Lazine. Moi, je t'avais pas remarqué.
L'agent, oui, je il suis vient devant de nous tes voir, yeux. Comme ça. Je suis là devant tes yeux. Mais... Tu te fous un peu de ma gueule, non? Ah, mais je suis désolé, hein, je te jure. Hein. T'es sous crack, t'es sa bande de camé, ça me dégoûte. Oh, quoi? Ça va? Désolé, j'ai fait X, les épées. Ok, ça va mieux? Oui. Ok, ok, bon bah, nickel alors, nickel. Merci. Bon, allez, viens, Jérémy, on va le réparer. Oui. Bon, allez, on est en train de faire la construction de bâtiments là. Vas-y, ah, vas-y, salut. Bonne journée, salut, allez, allez. Bonne journée alors. Faites attention. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Plus loin. Je suis mort de rire. Regarde s'il n'y a pas un autre véhicule. Non, je suis là. La Zéa, je sais qu'elle a pas de vide teinté. Je crois que c'est celle-là. Il me dit un mot, je la range. On peut aller en Nova, copier. Non, on va en Tagateur. Y'a pas de vide teinté. En fait, ouais, on a une Tagateur. Ouais, la vide teinté, en fait, le problème, c'est qu'elles sont trop grillées. Bay City ou Innocence Boulevard? Attends, c'est... Innocence, ils ont pris Bay City. Ouais, non, Innocence, ils ont pris Bay City, ouais. Vous avez pris Innocence ou Bay City? Bay City. Bay City. Ok, on va à Innocence alors. Du coup, on va à Innocence. 10-4-4-7. Elle est trop bien, la Tagateur. Je suis pas fan, mais... La Punto, c'est tranquille. Bah après, le problème, c'est que s'il y a une course poursuite... Il y a une course poursuite, après... Ok. Méthode... Régulateur. Une vraie question. Oui. Au LSPD et au BCSO, il n'y a jamais eu une meuf qui a passé le grade d'officier 3 en fait. Il n'y a jamais eu une meuf dans l'état-major. T'es consciente ça. Elles sont pas... Ouais. Oh la road d'avance en personne. Je passe devant vous, je vois quoi, une big radio LAN. Ça va ou quoi les mecs? Ça devrait répondre à un moment, tu sais. C'est le but d'un échange avec une personne. C'est gênant là. Je me sens con. On va aller à Mutiny Road, ok? Vas-y. 2 km. Prends sud. Attends, on change. Hop. Comment il a fait pour nous briller l'autre? Il n'a pas eu de chance, il a fait une flic. Ouais. J'ai besoin d'une guitare qui fait des gros dégâts pour éteindre ces gros attends dégâts. Attends là. Wesh les gars. En fait j'ai entendu une parole et du coup j'ai fait avec. Merde. Je suis très concentré là, je conduis hein, comme ça tu sais. Salut Théo, ça va ou quoi? Quand t'es bien concentré genre. Bon ça va derrière la casse, ok, donc à partir de ce moment là tu... Il y a un hélico. C'est un hélico. Au-dessus de nous. Quoi? Où il va? Viens dessus. En fait, faut aller au poste et prendre un hélico, on le contrôle, voir si elle a le permis de l'hélico. On patrouille en hélico. Y'a des fois de licence dans le code pénal? Ouais, pilote d'un hélico sans PPLH, c'est 10, 15, 20 000 ou 10, 20, 30 000 et oh. 10 TIG. Et moi, on patrouille en hélico, ok? Vas-y. Ah, demain, je suis pas là. Merde. Après demain. Ah, devant. Hein? Ah, le vent. Vent, putain, vent. Oh, il a dit non! C'est bon, putain. Personne n'a pas interagi avec vous. Let's go! Les Giro. J'ai besoin d'une guitare pour faire des gros dégâts. Arrête, tu bouges pas, tu mets tes mains en l'air. Voilà, Hermano, c'est le Sveni. Oh là là, Hermano, si. Hermana, plutôt. Non, Hermano. Ah merde, désolé, madame, monsieur. Si. Oh, los putos vagos. Bon. À qui on a affaire là? Comment vous appelez? Mouglé. Comment? Mouglé. Oh, il te rappelle pas quelqu'un lui? Vous appelez vraiment. Vous allez parler? Ouais, je m'appelle Mouglé. Oh, quelqu'un avec une voix qui. Ouais. Tu te rappelles pas?
Non, retournez-vous monsieur, je vais un placement de sécurité. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à... déclarer? Non, monsieur. Ok. Vous avez sur vous, là? Des produits stupéfiants, monsieur. Ok, attends. Moi, si vous êtes levé à gauche, vous pouvez prendre. Non, il est speedy mission room, monsieur. Ah, d'accord. Là, vous avez quoi? Speedy, j'écoute. Tu fais combien de thunes grâce à cette drogue? Moi, je venais, c'est tout ce que j'avais sur moi. Rappelez, ok. Ouais, bah, rappelez le poste, bon. Rappelez le central, ouais. Attends, viens avec moi. Je vous entends pas, si jamais, monsieur ou madame. Si vous pouvez rappeler, merci. Imagine le mec qui parlait quand même. Oh, pardon. Oh merde, pardon. Bon, y'a rien encore. Bon. On a de la... La cocaïne. Oui, mais... Baisse les bras, t'inquiète. Très bien. Il va se passer, c'est que tu vas me donner l'argent que tu t'es fait avec cette merde. Ok, très bien. Oui. Voilà, monsieur. Ensuite. Tu t'appelles comment? T'as un gros casier ou pas? On commence à me connaître, ouais. Ok, très bien. C'est la dernière fois qu'on te voit ici, ok? Bien évidemment. La prochaine fois, c'est au poste Bolingbroke, ok? Très bien, monsieur. Allez. Pas de soucis, jamais vous me reverrez. Il te l'a dit, Bolingbroke. Attends, moi, ta carte d'identité, quand même, que je sache qui c'est. Oui, bien sûr. La prochaine fois, t'emmènes à Bolingbroke, t'as compris? Ouais, très bien, moi aussi, j'ai compris. Mougli. Ça s'appelle vraiment Mougli? Bah oui. C'est vous, la musique de PNL? Non, monsieur. D'accord. Mais c'est inspiré de moi. Il faut y aller, monsieur, allez-y. Merci. Une bonne journée. Encore? On y va. Allez, on y va. Oh, mais non! Connard! Bonjour, monsieur Burns. Ouais, voyons, man. C'est vous, Brady Burns? Ouais, c'est moi, tu connais là. Ouais, c'est le capitaine 42 là, on doit faire un son, beau gosse. 42, je le considère pas comme un cop. C'est le généreux, je suis dans la merde, il m'ouvre sa porte. Il a choisi le mauvais.